L'Ancien Testament. Salomon et le Temple. Interdiction de rentrer dans la ville avec les dromadaires. Les bêtes doivent rester hors de l'enceinte. Arrêtez! La fille de Pharaon doit épouser le roi Salomon. Elle quitte l'Égypte pour se rendre à Jérusalem. Elle vénérera un autre dieu, c'est sûr. Puisse Horus, le dieu faucon, veiller sur elle. Il pourra la voir et la protéger depuis là-haut. Toujours rien à l'horizon, Majesté. Une question me brûle les lèvres. Pourquoi voulez-vous épouser une Égyptienne? Nos femmes sont aussi jolies, et au moins elles vénèrent notre Seigneur Yahvé. Ma priorité est de défendre Jérusalem ainsi que les tribus d'Israël et de Judée. En épousant la fille du roi d'Égypte, je m'assure que l'Ouest ne représentera plus une menace. Votre sagesse force l'admiration, Majesté. En plus, on raconte que la princesse est une femme superbe. J'ai vu son portrait. Elle est magnifique. Je les entends, ils arrivent! En avant! Thank you.
Arrêtez-vous, laissez-moi seul. Ah ! Je vais aller à sa rencontre. Tu m'accompagneras jusqu'à lui. Allons-y. Suivez-moi. Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Gloire à toi, Hosanna ! Gloire à Hosanna ! Gloire à toi, Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Salomon offrait à Dieu des sacrifices et immolait ses offrandes sur l'autel du Seigneur. Il brûlait également de l'encens pour lui. Jour après jour, il régnait avec sagesse et un grand sens de la justice. Le peuple l'adorait. Eh bien, dites-moi quel est votre problème. Pour quelle raison vous présentez-vous aujourd'hui devant votre roi? Majesté, ces deux femmes ont décidé de s'en remettre à votre jugement. Alors laisse-les parler, qu'elles me racontent tout. Allez-y, expliquez au roi le sujet de votre discorde. Monseigneur, cette femme et moi vivons dans la même maison. Nous venons chacune d'avoir un bébé. Elle a perdu son fils qui est mort au milieu de la nuit et elle l'a échangé avec le mien. Elle a osé me voler mon enfant! Ne l'écoutez pas! Ce bébé est le mien, je vous jure! C'est le sien qui est mort cette nuit! Elle vous ment! Elle ment! Notre Dieu l'Éternel m'en est témoin! Tu m'as pris mon fils, tu dois me le rendre! Oh, tais-toi! Tout le monde sait que tu es une pécheresse! Laissez-moi garder cet enfant! C'est moi, sa mère! Alors tu dis que ton fils est en vie et que cette femme te l'a volé pour remplacer le sien. Et bien sûr, il n'y a pas de témoin. Non, c'est vrai, il n'y a pas de témoin. Notre Seigneur Tout-Puissant punira cette sale menteuse. Prenez l'enfant. Tenez. Maintenant, prends ton épée et ne pose pas de questions. Fais exactement ce que je te demande. Non ! Qu'est-ce que vous allez faire, Monseigneur ? On va couper le bébé en deux. Vous repartirez avec une moitié chacune. Non ! Ne le tuez pas ! Je vous en supplie, Majesté, donnez-lui le bébé ! Je ne veux pas qu'on tue mon fils, non ! Dieu te bénisse, tu es la mère de cet enfant. Je le sais parce que tu voulais qu'il vive. Merci, Monseigneur. Quant à toi qui as osé mentir devant ton roi et devant Dieu, je ne veux plus jamais te revoir. Tu peux te relever. Prends ton enfant et retourne en paix. Salomon était un adorateur du plus grand des dieux.
Comme le faisait le peuple d'Israël, il priait et offrait des sacrifices dans les hauts lieux de son royaume. En effet, le temple dédié au Seigneur n'avait pas encore été construit. Un jour, Salomon s'en alla à Gabaon afin d'offrir son sacrifice. Ce jour-là, alors qu'il était seul, il entendit le Seigneur. Salomon ! Salomon ! C'est vous, Seigneur, j'en suis sûr. Je peux reconnaître le son de votre voix, comme je reconnaîtrais celui de ma propre cithare. Tu peux me demander tout ce que ton cœur désire. Dieu Tout-Puissant, vous m'avez fait régner, moi, votre serviteur. Je suis encore tellement jeune pour régner ainsi, sur un peuple aussi grand. J'aimerais un cœur capable de discerner le bien du mal. J'aime ta réponse. J'exaucerai ton vœu. Ton cœur sera le plus sage et le plus perspicace. Je vous remercie, Seigneur. C'est un immense cadeau. Il me permettra d'être un bon souverain. Je ne désire rien d'autre. Mais je vais également te donner ce que tu n'as pas demandé. La richesse et la gloire comme aucun autre roi n'en a connu. Comment puis-je accepter? Je ne suis pas certain d'en mériter autant. Tes responsabilités sont grandes et tu le sais. Si tu marches dans les pas de ton père David, je te donnerai en plus une longue vie. Notre Seigneur a dit, « Parmi toutes les villes des tribus d'Israël, c'est Jérusalem que j'ai choisi, et c'est là qu'on érigera le temple qui me sera consacré. » Mais Yahvé voulait mettre mon père à l'épreuve. Il lui a dit, « Ce n'est pas toi qui construiras mon temple à Jérusalem, ce sera ton fils. » Que la volonté de Yahvé soit faite! Oui, que la volonté de Yahvé soit faite! Ainsi, c'est moi, le roi Salomon, qui aurai l'honneur de construire ce temple. Que la volonté de Yahvé soit faite! Voilà déjà plusieurs semaines que j'ai passé un accord avec Hiram, le roi de Tyr. Il doit m'envoyer le meilleur bois de cèdre et de sapin de toutes les forêts du Liban. On devrait bientôt le recevoir. Ainsi, Hiram donna à Salomon autant de bois de cèdre et de sapin qu'il en demandait. En retour, Salomon offrit à Hiram 20 000 mesures de froment et 20 000 mesures d'huile. Voilà ce qu'on enverrait chaque année au roi de Tyr. Pour cet ouvrage de grande ampleur, Salomon ordonna que l'on emploie 30 000 hommes. Il demanda également que l'on prépare de grandes et belles pierres pour les fondations du temple. Les travaux débuteront au mois de Zif, lorsque seront là les plus belles fleurs. Monseigneur, voici le plan que nous avons dessiné pour vous. Là, c'est le temple. Et là, l'autel pour les sacrifices. La cuve de purification en cuivre. Elle sera soutenue par 12 bœufs, également en cuivre, un pour chaque tribu d'Israël. Bien sûr, pour chaque édifice, nous utiliserons les plus belles pierres du pays. Et entre ces deux colonnes de bronze, ce sera le vestibule du temple. L'intérieur sera splendide. Et enfin, le Saint des Saints, l'endroit où l'on disposera l'arche.
Il fallut 7 ans pour construire le temple. C'était désormais terminé, et le roi Salomon rassembla les anciens d'Israël, les princes des 12 tribus et les chefs des grandes familles. En leur présence et devant le peuple tout entier, les prêtres et les fils de la tribu Lévi portèrent l'arche de l'Alliance au lieu qui lui était destiné. On plaça l'arche dans l'oracle du temple, dans le Saint des Saints, sous les ailes des chérubins. Sur les 2 tables de pierre qui se trouvaient dans l'arche, étaient gravés les 10 commandements délivrés par Moïse. Ces tables représentaient l'Alliance, autrement dit le pacte qui existait entre Yahvé et le peuple d'Israël. Ô Seigneur, toi qui fais briller le soleil, tu as voulu vivre dans un nuage. Pour toi, mon Dieu, j'ai fait bâtir cette sublime demeure dans laquelle ton trône sera établi à jamais. Yahvé, tu es si grand. Béni soit notre Seigneur. Béni soit notre Seigneur. Béni soit notre Seigneur. Béni soit Yahvé, notre Seigneur éternel. Béni soit notre Seigneur, le Dieu d'Israël. Il est temps de sortir de l'eau. Ouf. Vous connaissez la reine de Saba? Eh bien, elle va nous recevoir. Tu crois qu'on nous laissera entrer, nous aussi? Bien sûr, vous n'êtes pas mes serviteurs. Vous êtes mes enfants. Je l'ai acheté pour vous à un tisserand de Damascène. Maintenant, si vous me permettez, Majesté, je vous ai tout montré et vous m'avez dit avoir tout trouvé à votre goût, mais je ne sais toujours pas ce que vous souhaiteriez m'acheter. Tu m'as l'air bien gourmand et impatient, mon ami. J'achète tout. Suis-moi. Tu as vu ce temple à Jérusalem? Merveilleux, merveilleux! Il n'y a rien de pareil dans le monde entier. Le Dieu d'Israël s'est transformé en nuage et s'y est installé. J'étais là-bas l'autre jour et j'ai vu le nuage. C'est prodigieux. Et le roi Salomon, est-ce que tu l'as vu de près? De très près, en effet, alors que je lui rapportais de Grèce des instruments de musique très précieux. Il les essaya avant de tous les acheter. C'est un homme sage qui a le sens de la justice. On dit que son physique est particulièrement agréable. Il est grand, fort, et en plus, il est généreux. J'ai entendu dire qu'il était très riche. Son règne s'étend de la terre des Philistins jusqu'à l'Égypte, et il fait de très bonnes affaires. Jugez plutôt. Toutes ces femmes et concubines doivent-elles vénérer son dieu? Non, elles peuvent s'isoler et prier leur propre dieu. Alors, est-ce qu'elles sont aussi belles qu'on le raconte? Il les choisit aussi pour leur intelligence. Son dieu Yahvé lui a fait don d'une sagesse exceptionnelle. Salomon connaît la course des étoiles et les lois de la nature. Il a écrit des milliers de proverbes et compose des hymnes et des poèmes. Il sait mieux que personne jouer de la cithare et de tous les instruments. Et aucun ennemi ne l'a jamais vaincu.
va voir. Arrêtez! Qu'est-ce qu'il veut? Comment ose-t-il? J'en fais mon affaire! Voilà des jours que je vous attends. J'ai vu dans les étoiles que vous vous rapprochiez de Jérusalem. Tu es riche et jolie, tu es née sur la côte, mais tu ne sers pas Yahvé. Tu as raison, je ne suis pas une fille d'Israël. Que me veux-tu au juste, vieil homme? Je veux que tu retournes d'où tu viens. Va retrouver ton peuple. Retourne honorer tes dieux. Tu es venu corrompre le cœur de Salomon, le détourner de Yahvé. Tu te trompes sur mes intentions. Tu n'en as pas conscience, mais tu es venu pour ça, pour le pervertir. La colère de Yahvé te consumera. J'invoque sa colère. Que sa malédiction s'abatte sur toi et te réduise en cendres. Que sa malédiction s'abatte sur toi et te réduise en cendres. Que sa malédiction s'abatte sur toi et te réduise en cendres. Ce sont les soldats de Salomon. Ils viennent vous saluer en son nom. La reine de Saba est enfin parvenue jusqu'à Jérusalem.